Joa Arduni et Latfani, bonjour. Merci de nous accueillir dans vos bureaux à Vinci Construction, où vous êtes responsable du développement d'une des filiales ici. Et parallèlement, vous êtes la présidente du Club 21e siècle. Et merci à vous de cette invitation à répondre à ce beau projet, et donc j'en suis ravie. Notre entretien portera essentiellement sur la dualité entre femme et pouvoir. Alors, pour vous, quelle est la signification de pouvoir? Qu'est-ce que vous mettez derrière? Je pense qu'on en est tous dotés d'une façon ou d'une autre, et que derrière ça, c'est vraiment une notion d'action pour moi. Et ça se traduit comment dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle? Alors, en tant que femme dans le BTP, là, j'ai affaire à un monde d'hommes. Donc là aussi, quand on commence à toucher à des postes avec une certaine notion de pouvoir, la difficulté, c'est de se faire accepter, justement, en tant que femme. C'est de faire accepter ses compétences, ses capacités à mener à bien son travail au quotidien, et on se rend compte que dans un monde d'hommes, quand on est une femme, on nous en demande un tout petit peu plus, et ne serait-ce qu'au début, sur il faut absolument prouver qu'on a les acquis, il faut prouver qu'on sait mener les choses à bien, qu'on sait diriger les équipes, et ça, on nous attend un peu au tournant au départ. Alors vous êtes une femme dans un milieu d'hommes, vous êtes aussi issue de la diversité et vous dirigez un club qui milite pour justement les atouts de la diversité pour la France. Est-ce que ces différents critères ont été un atout, ou est-ce que ça a été des avantages, un frein? Alors moi, je crois qu'il faut surtout partir du principe tout de suite, mais d'abord pour soi et pour être bien dans ses baskets, tout simplement, partir du principe que c'est un atout. Et je suis persuadée que c'en est un. D'abord, quand on est issu de la diversité, oui, il y a une altérité face à la population majoritaire, mais en même temps une double culture, une double langue, évidemment que c'est un plus. Donc il faut surtout pas effacer ce qu'on est, et pas effacer non plus sa féminité dans un monde d'hommes. Je pense que c'est une grande erreur pour moi. Les femmes qui ont du pouvoir ont dû sacrifier quelque chose de leur vie personnelle. Est-ce que vous, ça a été votre cas? Je pense qu'il y a toujours un bout de sacrifice pour tout le monde. Et souvent, alors, quand on différencie hommes de pouvoir et femmes de pouvoir, on a l'impression que le premier sacrifice auquel tout le monde pense, c'est le sacrifice de sa vie familiale, évidemment. Mais la réalité, c'est qu'un homme qui passe aussi beaucoup de temps à mener à bien son job, son entreprise, ses équipes, il sacrifie aussi un bout de sa vie privée, évidemment. Donc tout le monde fait une part de sacrifice. La difficulté, elle réside plutôt dans le fait que le sacrifice, il faut qu'il soit un choix de sa propre personne. Et ce qu'on peut rencontrer dans des entreprises souvent, c'est des hommes qui vont tendance à se dire « Ben non, on va peut-être pas promouvoir cette femme parce qu'elle vient d'avoir un enfant, c'est peut-être pas bon pour son équilibre. » Non, messieurs, arrêtez de réfléchir pour nous, posez-nous la question, et chacun fera le sacrifice qu'il a envie de faire pour mener sa vie comme il a envie de l'entendre. On fait partie des acteurs qui militent le plus pour toute cette question de valorisation de la diversité sur le marché de l'emploi. Et malheureusement, les chiffres nous montrent au quotidien que, malgré toutes nos actions, que la situation ne s'améliore guère. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre en place? On rend compte qu'il y a une intégration sociale mais pas économique. Donc la réalité, c'est qu'il y a encore une vraie discrimination sur le marché de l'emploi, notamment. Et le marché de l'emploi, c'est quand même aujourd'hui les entreprises qui le dirigent. Ce sont les recruteurs et qui sont aux portes de cette capacité d'intégrer ou non ces populations qui viennent alors de banlieue, issues de l'immigration ou non. Donc il y a un vrai travail à faire avec les entreprises, et c'est ce que fait la FIB, c'est ce que fait le club. On n'est absolument pas dans une démarche vindicative. Absolument. Mais ni accusatrice, mais plus dans une démarche de travail en commun. Le mentoring, moi je crois beaucoup à la valeur de ce travail. Les rôles modèles, il faut qu'on les voit plus. Il faut absolument que les jeunes générations puissent se projeter dans des personnes qui leur ressemblent et qui leur donnent à croire qu'elles peuvent du coup avoir un vrai projet dans le projet républicain, qui est quand même aujourd'hui celui dans lequel on est censé tous appartenir et dans lequel on est censé tous pouvoir s'épanouir. Nous vous avons demandé de nous apporter un objet. Oui. Ou en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors, je vais du coup me déplacer quelques minutes. Alors voilà, j'ai un casque de chantier qui, étonnamment, représente pour moi quand même pouvoir et féminité. Et pourquoi pouvoir et féminité? Parce que je crois aujourd'hui qu'il est important aussi qu'on décloisonne un peu tous ces mondes dans lesquels on est censé appartenir ou non, dans lesquels on peut entrer ou non, et que finalement on peut être une femme et être dans un monde d'hommes. Alors plus un monde d'hommes que le BTP, je crois qu'il y en a très très peu. Et puis cette notion, ce que je trouve assez sympa,
sympa dans l'image du casque, c'est qu'effectivement, quand on imagine une femme dans le bâtiment, c'est certainement pas sur un chantier avec son casque et ses bottes qu'on l'imagine. Or, on est en capacité, comme les hommes, de mener des troupes de 100 compagnons sur un chantier avec notre casque, nos bottes, sans problème, et d'y passer toute la journée. Tout en restant extrêmement féminine. Exactement. Très bien. Quelle est la phrase, le proverbe, ou est-ce que vous avez une citation, quelque chose qui vous illustre ? Une phrase de Nelson Mandela qui dit « Je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends ». Et si vous aviez un conseil, justement, un message pour les jeunes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur diriez ? Il faut s'engager d'une façon ou d'une autre. Et pour une jeune femme qui vous dirait « J'ai envie d'être comme vous ». Être comme moi, c'est juste être passionné, être engagé, avoir des convictions et essayer d'aller au bout de ses convictions. Notre entretien touche à sa fin. Et est-ce que si je vous disais pour Najwa Arduini El Atfani, le pouvoir c'est, vous me diriez quoi ? Le pouvoir c'est agir. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.